c'est bien ma brigade. Mais on a vraiment déçu le comportement à ma ex-patron à Bissot. On a tout le monde. Ils ont passé mine la musique à Bissot. Ils ont vraiment passé. Mais nous avons vraiment avec force. Il y a des gens qui sont faibles. Mais nous avons la même chose pour qu'ils comprennent ma cambo. Et dans le lobby, il y a des sources. Il y a des gens qui ont monté ça. Pour lire mon texte facilement. Dans le bac, on a mal au bas. Et surtout, toujours, on a un geste. Pour ça, pour qu'il ne fasse pas ce que tu veux. Merci. Tchernobyl, Kasamoto, Elenga Kotala, Elenga Kolata, Telinkoi, prêtre. Nanana, bonio sali système ponyo. Otikinga na bwale o bolingo e mata makala matika la souvenir. A forest get, je salue Coco Coxon, sujet de prière. Mama na tata boyoka hangai balingi basalanga système konye ambara de Saint-Toi matika nga na kende molinga makala matika la souvenir. Tony Twenge Asalinga système ya ekeko Asalinga na bolingo manso na maboko maye Barabas Apimelinga ndepe mapongo na bouje Blaise Tando Atikinga nde kidiba ye Mamadou Machuda ye Nukanga Damiba collection Mao Pecho l'impresario Damiko A suivre Obi Misinga yudana miso bato Niko Pelela Kasi lo bananga na tika Papi kake Kolinga yo Tony Silva Chali mafwa O salibo sobe sala mwana nyawe Mwana nyawe koti zamba Abandi ya komiko yi Poso na ye kosi ye Robert Matutala O salibo sobe sala mwana moto Kotiye Boulaye Ale kwa nga na molili Alobi ale kamombe Claude Mwana kona ye Le comptable et la coiffure de Kossi Mamadou Machuda Camille Appelé Mustapha Toulanda Clément Namagi Bivata Demoulou Vanta Nakata Sewita Apprécie le vrai bonheur après l'avoir perdu. Oko benzanga, pe oko lukanga ye. Papi okitu. Oko putanga na sina bala na lopango oyo bakoma. Attention, moi ma belle. Vampire si koto. Pousse qui brille, n'est pas de l'or. Mamadou Machuda. Aignan son amour qui li omenite. Allez, y'a tout Emma. Pousse qui brille, n'est pas de l'or. Phénomène. L'ossi ya sasa. Zalaka na bomoye, toya kabo mengolongo umbanda pouvoir baskila. Obena na na bolingo na yo shu oyeba oyeba ka mama. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mama Pumba, na kanga ma mélodie poto koma mutu moko na lenge la kaye po anamana mupanzi na ba. Blaise Visitor et Annie Balabos Louison Djuma André Moto Choumou Le Cordon Chiari Koli Alpangungu Joël Foto Meting Rendez-vous la flamme Louange Konatambe Junior Mafola Loris
père de Santao. Ateka mbala, ateka kwama, ateka manyoko. Mungo mbapasi. Omoni miloko ya kusuma. Kina kusuma. Elisha duna pata kuku. Kala adibiba wake. Kala nibubu esili. Kala ngai, kala ngai. Flash. Elisha na yaniku nene. Ako pata na kusuma da. Amisi kibeni kuku. Kile. Kone polesa kusuma da. Milema. Salut, c'est Mehdi. Aujourd'hui, c'est le lancement du code et on se retrouve pour ma toute première interview avec Nino. Il me rejoint dans quelques instants. Je suis trop content. Nino. Ça va quoi? Et toi? On est là. On se voit dans une période un peu particulière. Ouais. Le monde entier était en pause. On était confinés chez nous. Là, on commence un peu. Au moment où on se parle, on commence à ressortir. Comment t'as vécu un petit peu cette période bizarre? Ouais, période bizarre, drôle d'histoire. On l'a vécu un peu comme tout le monde. Hein. Ouais. Chez nous, on est resté confinés. Et voilà, on essaie de trouver des activités, des trucs à faire pour passer le temps. T'as fait quoi, toi? Est-ce que t'as fait du son? Est-ce que t'as travaillé? Ouais, j'ai fait du son. Au contraire, t'as déconnecté? Ouais, si, j'ai fait un peu de son. J'étais un peu dans certains studios, toujours avec les mesures de sécurité. Moi et l'ingénieur, et voilà, j'essaie de travailler d'autres sons. Et en même temps, t'as vu, je me suis trouvé des petits talents. Hein, des petits talents de cuistot, tout ça. Ah ouais? On essaie de faire des petits plats. Des petits plats, des fois. Quel genre de plat? C'est quoi la Nino Touch? Là, en ce moment, c'est gratin de saumon. Non, j'en ai parlé à certains. Ok. Gratin de saumon, non, en ce moment je fais ça, j'essaye de peaufiner mon truc. Très bien. Voilà. Ah, t'aurais pu ramener quelque chose quand même. Ah, laisse tomber. Je savais pas, tu connais. L'année dernière, t'as sorti ton deuxième album, ouais. Destin, qui a été un carton, qui est un des albums rap français, l'un des albums tout court d'ailleurs, parce que tu dépasses le cadre du rap, maintenant que c'est le mieux vendu, il y a eu le PNL, il y a eu Nekfeu, il y a eu toi, c'était un peu les trois grosses sorties de l'année, en tout cas en termes de succès. Mm-hmm. Quel bilan tu fais un peu de ce disque-là? Je pense que j'avais l'impression que moi, l'objectif de cet album, c'était aussi de t'emmener à un autre niveau. Ouais. J'ai l'impression que l'objectif a été atteint. Un an après, comment tu vois un peu le parcours effectué? Je me dis, c'est bien, c'est lourd, c'est un succès commercial, tu vois, Destin. Ouais. Franchement, ça a été le meilleur album que j'ai pu faire depuis le début. Ouais. Et c'est voilà. Ton meilleur album pour toi? Ouais, le plus construit quand même. Okay. Ouais, du début à la fin, on l'écoute de l'intro à l'outro. Voilà, on peut passer avec pendant une longue période. T'as okay. vu? Et t'as vu, il y a quelques sons qui sont toujours dans le top, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'en suis fier. Est-ce que c'est devenu facile pour toi de faire des sons ou est-ce que tu te poses beaucoup de questions? Moi, j'ai l'impression que c'est assez instinctif. Ouais. Je te pose pas 36 000 questions. Non. Franchement, quand je me pose des questions, généralement, j'arrive pas à faire le son. Okay. T'as vu, ça prend plus de temps et... Ça, c'est moins un jeu. C'est comme un footballeur, tu vois ce que je veux dire?
quand il est sur le terrain, il s'amuse d'abord, avant de vouloir faire la tactique de l'entraînement qu'on a, tu vois. Il veut d'abord s'amuser et prendre du plaisir à faire ce qu'il fait. Et c'est en prenant du plaisir, justement, que, tu vois, il y a un bon... Comment dire ? Il y a, une bonne chose, des bonnes choses qui en ressortent, tu vois. Quand on prend du plaisir à faire quelque chose, il y a toujours des bonnes choses qui en ressortent. Il y a... On s'était vu fin 2018, et tu m'avais dit, c'est un truc qui avait été un peu repris sur les réseaux, tu m'avais dit, moi, j'ai toujours pas de classique. Ouais. Tu parlais de morceaux classiques. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que t'en as un maintenant ? Ouais, quand même. Lesquels ? Je dirais quoi, La vie qu'on mène. Ouais. Il a beaucoup marché. Tu t'y attendais à ça ? À ce qu'un morceau comme ça marche autant ? Peut-être pas, parce que, en fait, franchement, je me disais peut-être pas, parce qu'il avait fuité, en fait. Tu vois, il était sorti un peu avant. Et voilà, je me disais, c'est un morceau un peu personnel, où je parle de gens qui nous ont quittés, des proches à moi. Et je me disais pas que ça allait toucher autant de monde, mais voilà, c'est l'effet de la musique, et voilà, ça a parlé aux gens. Et d'être à une femme, ça t'a dépassé, j'ai l'impression, parce que tu as même les... On est sur une mixtape où il y a Damso, où il y a Eus l'Enfoiré, etc. Donc t'es des gros invités, et on parle quasiment que de ce morceau. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu l'imaginais, ça ? Bah, quand je l'ai fait, sur le coup, non. Ouais. Comme d'habitude. Je fais mon son pour moi, je kiffe. Et surtout pour l'entourage qui est proche. Après, quand ça dépasse les frontières, je suis dépassé, moi. Tu vois ? Je fais pour mon petit cocon à moi. Et quand le cocon a kiffé le son qui est là, bah, forcément, ça dépasse les frontières, mais je suis toujours dépassé. Et l'être une femme, c'est cet effet-là qui... Mais quand même, quand tu fais un morceau comme ça, tu sais, il y a le Nino de l'intro, le Nino de Zipette, qui est, ouais, tu kicks, etc. Là, tu es dans un autre mood, tu vois. Et qu'est-ce qui te pousse à écrire des morceaux comme ça ? Bah, en fait, c'est l'homme, l'humain, tu vois ce que je veux dire ? Parfois, tu as des moods où tu es dans un délire un peu plus street parce que tu sors d'un truc street et tu es là, tu es avec les gens qui sont dans le truc. Donc, tu as une autre vision des choses. Et parfois, tu es avec une copine, tu es avec ta copine, tu as une autre vision des choses aussi. Donc, c'est ces deux moods différents qui font qu'il y a une mixité, tu vois, dans le projet. Tu as eu beaucoup de retours de la gente féminine sur ce morceau ? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Même ma mère, elle a écouté, tu vois, ma sœur. C'est des morceaux, en fait, sans insultes, tu vois ce que je veux dire ? Sans gros mots. Donc, ce qui fait que ça dépasse les frontières plus facilement, largement plus facilement qu'un ego trip ou, je te dirais, un peu plus de gros mots. C'est marrant que tu parles de dépasser les frontières, parce que moi, je me suis toujours dit, depuis quelques temps, je me dis, bon, Nino, il cartonne dans le rap, mais il fait partie des artistes-là qui sont énormes dans le rap, mais qui parfois sont pas encore populaires au sens victoire de la musique, par exemple, tu vois, ou au sens télévision. Et puis là, récemment, il y a eu une émission à la télévision française, service public, consacrée à toi. Ouais. Donc c'était aussi, quelque part, une incursion dans les foyers français. Comment t'as vécu ce truc-là, toi ? Bah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que... On puisse nous laisser, tu vois, le plateau quand même de France 2, tu vois, qui est une chaîne nationale. Bien sûr. Et qu'on vienne me chercher, moi, en rappeur urbain, tu vois, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais en même temps, c'est normal. Les victoires de la musique, j'aimerais bien, moi, les avoir. J'aimerais bien avoir une victoire de la musique française, mais si ça colle pas encore, on va attendre. Mais qu'est-ce qui fait que ça colle pas pour toi ? Qu'est-ce qui fait que ça colle pas ? Faut leur demander. Faut leur demander. Moi, j'ai rien contre eux, je suis très pisse. Donc, voilà, si... Si vous m'entendez, s'il y a une victoire de la musique qui peut être remise à Nino, on la prend. Ouais. On la met à côté des disques. Donc pour toi, parce que tu pourrais dire, vas-y, je m'en fous, moi j'ai des trucs dans le rap. Non, pour toi, c'est important. Ces trucs, la victoire de la musique, la télévision, pour toi, ça compte. Ouais, ça compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains artistes que j'écoutais auparavant qui les ont eus. Et j'ai vu la joie que ça procure d'avoir une victoire de la musique. C'est toujours un plus, tu vois, dans une carrière. Comme qui, par exemple ? Il y a eu 113. Ouais, je pensais à ça, l'arrivée en plus, elle est folle. Ouais, il y a eu 113, tu vois ce que je veux dire ? Et moi, comme je me sens un peu comme dans... Je vois la chose qu'ils ressentent quand ils sont nominés, et même quand ils gagnent, tu vois ? Donc voilà, ça fait plaisir. Tu parles de 113, t'avais fait Air Max avec Rimka. Ouais. Est-ce que lui, justement, t'as parlé un petit peu de tout ça ? Parce que Rimka, 113, c'était vraiment un groupe, la rue... Et en même temps, qui a touché la France entière, tu vois, donc qui a un peu réussi l'équation. C'est pour ça que je me sens, tu vois, proche de leur carrière. Justement, moi, je me souviens, à la sortie de Destin, tu m'avais dit, parce que tu m'avais dit à l'époque que tu avais un feat avec Gradure qui arrivait, qui était sur l'album, il est sorti, et tu disais, ouais, moi, je collabore, il n'y a plus de clash dans le rap. Et j'ai l'impression que tu parles de compétition, mais que toi, malgré ta position, on va dire, importante, numéro un, tu vois pas ça comme une compétition, en fait, le rap. Enfin, est-ce que tu vois ça comme une compétition ? Est-ce que tu as envie d'être le numéro un ? En tout cas, la compétition, ouais, je dirais, elle est contre moi-même. Hein, pour dépasser le truc d'avant, tu vois. Toujours faire mieux qu'avant. Là, on a fait 1003, faut faire mieux. Faut ramener un nouveau truc, un nouveau projet. Et tout en, tu vois, en essayant de garder le
le cap d'avant et en le changeant aussi en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Parce qu'il ne faut pas non plus travestir sa musique, tu vois, d'un projet à l'autre. Donc, toujours garder le même cap et, tu vois, essayer de ramener de la nouveauté aussi. C'est plus une compétition contre moi, même si je te dis ça. Est-ce que justement, ça ne met pas la pression de devoir toujours faire mieux? Ouais, ça met la pression. Ça met la pression. Parce qu'ils t'attendent, tu vois. Ils t'attendent et surtout quand tu es dehors et que t'as le vrai public. Donc, les gens de dehors qui marchent dans la rue et qui te croisent et qui sont pleins d'amour, tu vois, pour ton projet, pour ta musique, ta réussite, il t'apporte beaucoup d'amour et t'as pas envie que, tu vois, décevoir les gens qui étaient en face de toi. C'est ça qui est plus dur, tu vois. C'est ça qui te met la pression? Ouais, pas décevoir, tu vois, sur ma musique en tout cas. On parlait justement de featuring et t'en fais beaucoup. Ouais. Et tu pourrais dire, voilà, maintenant je suis là, avant j'étais là donc je collaborais, maintenant je suis là donc je vais moins me mélanger. C'est une stratégie que certains rappeurs peuvent avoir, tu sais, au bout d'un moment. Ouais. Toi, j'ai l'impression que non, encore une fois, t'as encore ce plaisir là de rapper avec les autres. Ouais, bah ouais, parce que en vrai au final quand t'as fait une collaboration avec un, il en reste toujours un et il y a le temps, il y a le moment aussi qui vient. Faut que ce soit le moment opportun, tu vois, comme on dit. C'est comme un sport, en fait. T'as envie de jouer contre tout le monde. Voilà. Ou avec tout le monde, peut-être. Bah ouais, t'as envie de jouer avec les gens, de rentrer dans l'univers d'un autre artiste, connaître son univers en vrai, tu vois, quand on échange et tout. Et savoir c'est quoi la différence entre ce que t'entends, ce que tu vois dans les sons d'un artiste et sa vraie vie, comment il est. Tu vois, ça change beaucoup. Il y a un morceau, on en parlait avant de commencer, mais le morceau avec Naps, 6.3, où là, justement, tu rentres dans l'univers de Naps. Ouais. C'est un des... Je l'adore, ce morceau. Ouais, ouais. J'aime trop ce morceau. Bien vu, j'aime ça fait plaisir. Ce morceau. Et justement, comment... Est-ce que c'était facile de rentrer dans l'univers de Naps, qui est différent du tien? Ouais. Et en même temps, en plus, c'est toi qui fais le refrain, tout, donc le truc marche. Comment ça s'est passé, ce track? De rentrer dans son univers. Moi, pour moi, je trouvais ça simple, parce que j'écoutais beaucoup Naps avant. Okay. Depuis En Équipe Volume 1, il avait sorti un projet qui s'appelait En Équipe Volume 1, et je kiffais. Et c'est toujours léger, il y a une pointe d'alcool dans son son qui est incroyable. Et j'aime beaucoup, tu vois, Naps, c'est léger, c'est vrai, ouais. ça se voit que c'est vrai. Et voilà, c'est pour ça que c'est facile de rentrer dans son univers. Il racontait dans une interview que toi, quand t'es en studio, tu vas super vite, et qu'il avait été impressionné par ta rapidité à enregistrer. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur le coup, quand l'instru m'inspire, ça va vite. Même moi, je vois le truc, ça, j'écris vite et j'ai les mélodies qui viennent facilement. Après, tant mieux. Et tu fais tes top lines tout seul, hein? Ouais. Ouais. Ouais, les top lines aussi. Et voilà, donc le son avec Naps, franchement, c'était vraiment une partie de plaisir, en vrai. Rentrer dans son univers, je savais un peu que c'était léger et je connaissais déjà le type d'instru qu'il nous fallait, tu vois, pour nous deux. Donc voilà, ça a bien collé. Souvent, quand on parle de toi, on te compare à des rappeurs parisiens ou de banlieue parisienne. Est-ce que le rap marseillais, c'est un truc que t'as écouté aussi? Le rap marseillais, bah franchement, je te dirais, de l'ancienne école, je te dirais non. J'ai pas assez écouté, tu vois, pour t'en parler. Après, je connais les blases, tu vois, les blases légendaires de Marseille, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai commencé à écouter du rap marseillais à l'époque de Jul. Ok, franchement, c'est Jul qui t'a mis dedans. Ouais, c'est plus Jul qui m'a ramené dedans. Alonso aussi avant. Ok. Alonso et Soprano qui étaient très très chauds à l'époque. Il m'avait ramené dans le rap marseillais, mais Jul, il m'a fait franchement kiffer la vibes de, tu vois, la vibes légère, tu vois. Mmh, ouais, c'est lui qui a ramené à la Naps, un peu, tu vois, c'est léger et voilà, ça m'a fait kiffer. Après, il y a SCH qui est arrivé après, il y a plein d'autres artistes qui sont arrivés après, tu vois. Non, parce qu'en fait, je me rends compte que avec Jul, vous avez fait plusieurs morceaux, avec SCH aussi. Ouais. Il y a une vibe un peu avec, et parce que tu sais, le rap marseillais, je trouve, il y a aussi un côté super mélancolique. Ouais. Et toi, que t'as aussi, tu vois. Donc ça m'étonne pas que t'es connecté. Ouais, avec après, je te dirais plus c'est dans la personnalité, je pense. Ok. Parce que comme je suis un mec assez, tu vois, qui se prend pas la tête, qui est joyeux, et tu vois, les Marseillais sont dans un mood un peu pareil, tu vois, dans le même délire, même état d'esprit, ils sont accueillants. Tu vois, quand t'arrives à Marseille, les gens sont accueillants, ils sont pas froids, ils sont pas fermés, tu vois, contrairement à Paris, tu vois, les gens, ils sont un peu speed et ils ont pas le temps. Mais à Marseille, ils prennent plus le temps, tu vois, dans les terrasses, dans les cafés, les darons, ils sont posés, tu vois, tout le monde est... détente cool, tu vois. Après, c'est une optique. Et à Marseille, j'aime beaucoup ça, tu vois. Ah, question très difficile. T'as collaboré avec beaucoup de gens. Sans manquer de respect aux autres. Ouais. Est-ce qu'il y en a un avec qui, quand t'es en studio, il y a un truc particulier? Je dis que quand t'es avec Da Uzi, ouais, vous avez un truc où genre ça marche toujours, tu vois. Est-ce que toi, il y en a un comme ça? Da, ouais, beaucoup, parce que on est connectés, on est en famille, et tu vois, l'équipe qui est derrière, c'est la même équipe, tu vois ce que je veux dire?
Il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans son équipe, qui sont dans la mienne aussi. Donc on se rejoint, tu vois ce que je veux dire, et on s'entend bien, on s'entend beaucoup. Il y a qui que je te dirais Leto. Ouais, bien sûr. Leto, ça va vite. En fait, c'est la rapidité, je te dirais, là où c'est similaire, c'est la rapidité des mots. Ils lui viennent très vite, tu vois ce que je veux dire. Et Déa, pareil, ça va vite aussi, parce qu'il connaît, il a beaucoup de vocabulaire. Ouais, ouais. Donc c'est très connecté. C'est quoi que tu préfères faire en vrai? Est-ce que tu préfères genre faire des trucs comme l'intro ou comme l'être à une femme? Ce qui t'amuse le plus? Ce qui m'amuse le plus, franchement, c'est, je te dirais, kicker, hein, tu vois, rapper comme ça, te dire ce que j'ai envie. Je te parle de Gueudreau, après je te parle d'une voiture, après je te dis en fait j'ai la meilleure meuf, en fait c'est moi le meilleur. Ça c'est lourd, tu vois, c'est marrant sur le coup de l'écrire. Ouais. Et tu vois, de réfléchir à des punchlines, tu vois, qui sont marrantes et des trucs où tu te prends pas la tête. Mais après, t'as vu d'un côté aussi, quand t'arrives à procurer de l'émotion aux gens, ça te fait quelque chose. Ça, c'est nouveau en plus, ça, je pense, chez toi. Enfin, ça fait depuis deux albums, peut-être, que tu te rends compte que t'arrives aussi à toucher les gens. Ce que tu faisais peut-être moins. Par exemple, l'être à une femme, tu vois, ce qui m'a donné envie de le finir, parce que j'avais fait premier couplet et le refrain, pour moi, c'était un petit son délire au début, t'as vu. Okay. Franchement, où je comptais pas finir le truc tout de suite, je comptais le finir plus tard. Et l'ingé, tu vois, qui était avec moi, il m'a dit « Franchement, tu m'as fait kiffer. Je sais pas, tu m'as fait penser à ma meuf, carrément. Okay. » Tu vois ce que je veux dire sur le coup. Il s'est imaginé son truc. Et je me suis dit, si l'ingé son, déjà, il est à fond dans le truc, jusqu'à il a pensé à sa meuf, c'est que, t'as vu, c'est fort. Donc c'est peut-être grâce à l'ingé son que t'as fait ce l'ingé son et le crime, là où j'enregistre aussi des fois des morceaux. Crime, c'est son studio, au 4-3-2 studio. Et là-bas, il m'a donné une petite envie de continuer le son, tu vois. En mode, ah ouais, non, tu m'as touché, franchement. C'est quoi le morceau que tu préfères jouer sur scène? Que je préfère jouer sur scène? La vie qu'on mène. Okay. Parce que tout le monde la connaît, c'est lent. Donc ça donne le temps aux gens d'apprendre les paroles et de pas avoir un débit trop rapide dans les paroles, où ils sont là, ils te regardent comme ça dans le concert et ils arrivent pas trop à te suivre. C'est lent et voilà, c'est émouvant. Tu vois, en même temps, je pense ça me fait rappeler aussi dans quel état d'esprit je l'ai fait. Et voilà, quand je vois tous ces gens qui citent des noms qu'ils connaissent peut-être pas, mais c'est des gens, tu vois, qui sont vraiment dans mon cœur. Et donc, voilà, ça fait plaisir. Il y a un truc aussi dont tu parles beaucoup sur la mixtape, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Le fait d'avoir des sociétés, etc. Et il y a aussi quelque chose dont on sait maintenant que tu produis, notamment Os Copperfield, qui est ton premier artiste, il n'y en a pas d'autres, je crois, pour l'instant. Ça, comment ça t'est venu? Parce que c'est vrai que c'est une dimension qui est assez récente pour toi, je trouve, le fait de parler de ça aussi, d'être chef d'entreprise, en fait, tu vois. Comment ça t'est venu et est-ce que tu as envie de produire d'autres artistes à l'avenir? Bah, j'aimerais bien, produire d'autres artistes, pourquoi pas, tu vois. Même des gens qui sont déjà dans le bain, tu vois, et qui n'ont pas forcément passé un cap. J'aimerais bien aussi, tu as vu, essayer de faire passer des caps à certains, mais ça, on verra plus tard, tu vois, quand je pourrais me positionner. Mais c'est un plaisir de pouvoir parler de ça dans les sons, tu vois. Et quand je te dis ça, c'est aussi bien dans la musique qu'on essaie d'entreprendre, aussi bien dans la vie normale, tu vois ce que je veux dire, dans ma vie de tous les jours. Mmh. On essaie d'entreprendre et d'entrer dans d'autres business, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi vachement raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu gagnes de l'argent et t'aimes bien les belles choses, tu vois, et t'en parles dans ta musique, mais on sent aussi qu'il y a un truc, faut que j'investisse. Parce que j'aime bien les belles choses. Ouais, ok. Bah ouais, sinon les belles choses, elles vont partir. Ouais, mais t'as cette gamberge-là, tu le sais, en fait. Quand t'aimes bien les belles choses, faut travailler pour garder ces belles choses-là et entretenir ce mood-là. Sinon, sans entreprendre, franchement, ça va redescendre et voilà. C'est quoi le plus beau plaisir que tu t'es fait? Le plus gros kiff que tu t'es fait, toi? Le plus gros kiff? Personnel ou personnel. À faire avec les gens? Personnel, franchement, je pourrais même pas te dire. Hein. C'est franchement, je pourrais même pas te dire. Quand je m'achète une veste, je suis content, moi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, moi, de me lever le matin. Je me dis, je vais chez Gucci, j'achète cette veste. C'est ta marque préférée, Gucci? Voilà, non, n'importe, tu vois ce que je veux dire. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, je vais acheter ça. Tu vois la veste que j'ai kiffée là? Je l'achète. Tu peux le faire, en fait. Je la veux. Tu vois ce que je veux dire, et ça me fait plaisir. Après, il ne faut pas le faire en excès, pas tout le temps pour montrer que tu peux en acheter, mais quand tu as envie de te faire plaisir, et ça fait plaisir de pouvoir se faire plaisir, en fait. Je pense que c'est plus ça. Je capte. Il y a un truc aussi qui est récent, c'est les voyages. Je trouve que tu parles beaucoup aussi du fait que tu as voyagé, et ça grâce à la musique. Ouais, est-ce qu'il y a un endroit qui t'a marqué plus que les autres? Tu t'es dit, là, je serais bien là-bas. Dubaï, jamais Dubaï. Ok. C'est belles choses, vu ça. C'est un bon coin. Ouais. Ouais, non, mais même pas ça. C'est l'atmosphère qui est dans ce pays-là. J'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont très haut placés.
tu vois, dans leur vie de tous les jours. C'est un pays, on ne va pas se le cacher, qui génère beaucoup d'argent et qui gère beaucoup de pétrole. Il y a le pétrodollar qui tombe beaucoup dans ce pays-là. Ouais. Donc il y a des gens très haut placés qui te voient, toi, en petit. Tu vois, tu es un petit dans la société. Ouais. Tu fais de la musique en France. Nous, ici, on gère des vraies choses. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ce sentiment-là d'infériorité qui me fait plaisir parfois dans le pays, tu vois, où je me sens à l'aise, tu vois. Je peux aller manger mon truc tranquille sur place. Il y a un truc d'humilité, en fait, quand t'es là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu redescends, et voilà, tu commences à voir d'autres gens qui sont mieux que toi dans le monde, qui sont comme ça, qui gèrent d'autres choses, qui sont pas dans la musique. Tu sais, en restant enfermé dans le délire de musique, des fois, tu peux te perdre, tu vois, dans ton délire. Tu restes à Paris. Toi, tu rappes beaucoup, tu collabores avec beaucoup de gens, donc ça t'enferme aussi dans un truc où tu crois que c'est la vie, ça. En fait. Ouais, c'est la vie. T'as vu, surtout, t'as vu les. Faut dire que le cercle, tu vois, autour de toi, quand tu fais du rap en France, ton cercle dans le rap français, c'est des gens qui travaillent. C'est vrai. C'est la vérité, c'est la vérité. Tu vois, généralement, tes amis, c'est des gens qui travaillent. C'est aussi des gens avec qui tu bosses, merci. Ils ont des rentrées d'argent qui sont, tu vois, stables et, tu vois, tranquilles. Donc, tu ne vas pas non plus en faire trop dans le pays où tu vis. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets à ta place et voilà, tu essaies de gérer ton truc. À Dubaï, tu peux te faire plaisir du coup. Tu te fais plaisir parce que l'autre, il gère du pétrole, il est milliardaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je suis petit par rapport à lui. Donc, tranquille, je fais ma vie tranquille. Justement, tu dis là-bas, tu peux aller manger tranquillement, etc. L'anonymat. Est-ce que ça. Est-ce que c'est relou d'être une star? C'est relou, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Quand tu fais passer en premier parce que t'es une star, t'es content. T'es content. Bien sûr. Bah ouais, mais quand tu veux manger, tu veux taper ton premier croc, on te dit une photo, tac, la photo elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Des fois c'est relou, t'as pas envie de lui dire, t'es, je suis en train de manger. Mais tu le fais, tu vois. Et il y a des trucs comme ça qui sont relous. Parce que les réseaux, toi, sur Twitter, tu postes souvent des punchlines, en tout cas des lyrics, etc. Même sur Instagram, tu postes peu de choses, tu postes quelques photos, mais t'es pas quelqu'un qui est à fond à faire des stories tout le temps. T'es assez discret, en fait. Hein. Ouais, non, franchement, t'as vu, je sais pas, je suis comme ça. Hein. J'aime pas trop. On me le reproche des fois, tu vois, de pas assez alimenter mon Snapchat ou quoi, mon Twitter. C'est des trucs que j'arrive pas trop à alimenter parce que j'ai d'autres trucs en tête. Peut-être que c'est mieux, en fait. Ça te protège aussi d'un truc aussi. Ça me protège aussi, tu vois. De ne pas montrer et de montrer quand il y a à montrer. Tu vois, généralement, quand j'ouvre mon Snap, c'est que je suis dans un truc de clip ou dans un autre pays où je kiffe le moment, tu vois. Et je te montre que je kiffe le moment pour que toi, tu kiffes. Ou, tu vois, c'est un échange. Mais tu racontes pas ta vie. Dans ma vie de tous les jours, je vais pas te dire que je vais à un rendez-vous à la banque ou, tu vois, dans un. Ouais. c'est pas intéressant, je suis dans ma voiture. Ouais. Non, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Après, t'as vu, voilà, chacun son délire, hein, son concept, mais voilà. Je préfère montrer quand il y a à montrer, tu vois. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Force pour la suite. Force. On est ensemble comme jamais. Ya solo nandimie, solo maloba yango Moto moko a evite, mokolo e shida kosonga Atango gata mokolo, kaka ye moko Atikala kobombe lakai, na kosuka wapie Yala, amen, abraza Ya solo nandimie, solo maloba yango Moto moko a evite Mokolo rapisa kosonga Atango mata mokolo Kaka ye moko Atikala kobombela ngai Na kosuka wapie Mochili ebweya Opon mikolo Soki olingi ngai Pesa motema Pelukela ngai Mosalisi mosusu Mosala ngai Popo lingwa mosika pasi Nazela papula boni yoko zonga Bruxelles, Valérie, 6. Et j'y t'étais fait.
Bob, Bokelo na Toronto. Na lingana tu nelo moko. Mais Nathan wana. Nathan wana yo zaipe na vie na yo. Régis Touba, ozaki na ba vie na yo vie na biso. Ba vie no bazaki belé na kati wana. Est-ce que ba bundela ki yote? Mais oyebi ba ko bundela ngai. C'est vrai ba ko bundela ngai mais je pense que il y a qui vous comment on appelle il y a votre mouton à mouton ici quand je pense que maquin a bon moyen et il y a fragilité et loco bon 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 surtout bon 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 Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ma soeur, quand on est au Kansawana, on a dit que nous avons 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 dit très bien. C'est un peu comme ça. Oui. Alors, Nasimana yo, banani bayaki. To yo, personnellement, ou yaki nanani. Dans le temps où ça l'émission, on a Christian Abbas a témoigné qui pena que non, yo pena moutouzoa qui y est. Mais à part, est-ce qu'il y a un batmoussoupe au Kenda Kozoa ou y a un bango na kata Z international? Bon, d'abord, je salue Christian Abbas, on a un pangi vraiment. Ouais. On a donc c'est-à-dire Christian Abbas l'allemand voilà le monde vraiment c'est-à-dire la Christian tout ça va m'amener belle c'est-à-dire tout ça va m'amener trop ils aiment nous tuer mais tout ça ils nous mouvement on a on doit bien vous voilà pas proche il y a Jurel Luemba vous allez proche d'ailleurs au Penza donc il y a beaucoup d'amour ils ont dit Christian après c'est Manomou Gilles Kao. Ok. Mais, Ndaï, Moutouna Gena, on a Christian. Parce que Christian, tu as un côté à Père, côté à Mongali, dans le quartier Tingidi. Oui. Mais ça, c'est la Christian. Christian a une guitare, il y a un bandage, il y a un bandage, il y a un bandage. Moni. Oui. Si quand tu as un mouvement, pendant qu'il va contre un musicien, un guerrier, je vais enlever la main. Ah! Parce que Christian a tout à l'ibosso à extra musique internationale. Nazora déjà Christian. Oui. Na même après Christian, n'a rien à y. Mais Christian a dit ah, mon cher, le mouvement n'a dit non, on a vraiment pas de bas ou là où la vaquille au Kondia, on a un arté, non, on a rien à dire. Christian Tamboula. Ok. Moni, ce que tu as un mouvement est Panzani. N'a la quai, les sous-sous de Christian. Tu vois le matin, il m'a dit ah. David, mais où est la main de Gona Mouboué? Hein? À mettre en basse, à mettre en anani, à solo peut bien boué. Nabi Christian, a dit vraiment Lucaé. N'a kenda, n'a kenda. N'a persuadant moi, n'a maï, de solo là, n'a vraiment n'a bonne de la, n'a mis moi, n'a maï, t'as là, yon de Wanana, venez à côté Wana, Yakaba côté Wana, et ça va bien, ou à talentueux, qu'on fasse un appalé pour mon boulot, tout qui. Oui. Ah bon, on a réfléchi, hein. Si lobby comme ça, on a le lobby, on peut en aller, on a eu mon amai, aller tout kenda, et puis bon, voilà, bon, ma soleil colati, tout kenda, ma point noir, tout bêta, ma nulle, la libouso, tout ça, mon amobélé, et si ma nomo, tout est inutile.
Toko. Alors, tant que vous avez Christian Abbas, alors, banane nous sommes intégrés qui groupe à part Christian Abbas. Bana bago sala ba test. Pona boye boye. Ndio Christian Abbas na money bana mai na money bana mai na money bana mai wana ba. Banani bana mai nyoso wana tu wana ba yana na miso na ngai. Okay. Na bando system ango. Levy. Ouais. Levinson. Levinson ouais. Voilà. Levinson. Pacheli Prestige. Ouais, Pacheli Prestige ouais. Je suis le cas où tu point noir. Namona lenga yaka trésor vula madiba voilà ouais namoni susunani pire petit na ngai biraman wa nzambi biraman rouge ouais voilà. Je le salue biraman le grand animateur meilleur tout animateur vraiment namoni namoni susunani namoni ba yani kezo fulu ouais. Ouais. Namoni Ebes Namunda. Namoni Alain Roland. Ouais. Namoni grand frère Namai Blaise Olivetti. Ouais. Namoni va pas pousser. Très bien. Namoni Ossature, il y a un musicien, il y a un musicien, il y a un musicien. Namona va rendre Bayana. Ok. Alors, voilà. Tant que vous sangani, vous travaillez, check-les ensemble. Ma préparation n'a pas été là. Je ne sais pas. On a besoin de 4 répétitions. Besoin de travail. Tout ça est répétition. Donc, c'est à dire, il y a un peu de l'eau. Voilà. Oui. Très bien. Mais voilà ce que vous annoncez la répétition WAPI. Et si je suis WAPI. Ok. Na studio ya film bien dans la Cyril Malonga ce film. Ouais. Tout ça de préparer l'album Wana. Vous avez combien de temps en préparation dans Katia Brazzaville là? Bah 8 mois et demi, 9 mois. Ok. Ouais. Après préparation. Ah ouais. Bon, il fallait qu'on enregistre en gros. Vous avez un contrat. Na maison à production moko munene. Na vous profiter na micro na nani na émission na yo pona bisa yoke. Ouais. On était mis tout se répéter wana to éviter les doke mikilia. OK, ouais. C'est-à-dire na za ko ou pesa sou ba vie na ngai ba salam et puis na féliciter bango na secret professionnel bango ba bomba wana. OK. Premier passeport, on a mis sur un autre qui est un homme qui est un homme. Ok. Mais on a un passeport, 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 on a un pass
chemise venant dans lata, la cravate. Il va dire même cravate, la chemise aux Christian à lata. Ainsi de suite, ma tonne surtout va se photo dans la même chemise dans la cravate. Oh, donc c'est là qu'a tourné Binonios. Et ça tourne à Binonios, c'est-à-dire que au moins quand ma photographe va se déplacer, n'est-ce pas, ça va bien avant Amos photo. Oui. Donc, à Outana apparaît photo, il y a ma poudre. Bisous, toi qui qu'on répétait. Oui. Bisous, toi qui répétait. C'est-à-dire que ma maman, bisous, quand la photographe a Yaka, tout le monde a fait un état manga, bâtiment ici dans le ciment. Allez, David, tourne à eux, les gars, on va jouer aux photos. Ils ont dit musique, hein, on sortit que mon tao vivre caca la musique. Ouais. Musique a bien été à fond la caisse, on sa musique. Donc sortit que mon tao l'inspiration là la cana en haut. Donc durer le matin à zoomer ta guitare à salinze mon aïe. À l'ovine à binobo, à salinze mon. Binobo, mais maman, n'a pas voco, n'a bino, n'a le cacoyer, bayango, si maman te corrige. Ouais. Mais ça, le quoi, devoir à faire à la maison. Vraiment. Pour faire un petit devoir, à lui, bon, il nous manque ce qu'on va devoir la parole. Très bien. Le bifo, mais maman, ma beaucoup, on a dit non. Mais il faut y avoir un avocat. Très bien. Vous comprenez? Oui. Il faut y avoir un avocat. Soyez, on a un avocat, l'été, moi, mon colon Zembo, et durer le mal, l'été, bon, ma, ça, l'avocat, l'oué. Après, ça fait bon, ça allait. Ok. Mais est-ce que Nathan a préparé ce bon, on a préparé, Wana? Bonjour qui t'a encore bête moi concert mon côté à na Brazzaville ou bien un place mon babé babé ici bien au bête tout ça bon ça la monte tu bête pas concert dans la joie basse sous tu bête un concert sans pourtant disque bima sans album sur le terrain. Ok, tu bête un concert mon tu bête un concert mon comme produit par à l'époque Ezaki Celtel ouais ah oui comme Airtel les longs tu bête un concert dans un point Mawata de là t'as ok. Le monde est jaune là-bas, badine en noir. Oui. Oui, de Betawana, de Bette de Souna Brazzaville. Dernier concert, la mission par exemple de Betta et Mona. De Bette concert, le long Lubin d'Amour, Lubin de Voyage, Toké Niki. De Betana, la défunt vient à l'issue beaucoup. Cool. Ok. Papa Wemba. Oui. Ah oui. Alors. De Betta. De... Nalingana tout n'a profité qu'à un niveau pour mettre à concert. Essaye un peu de nous parler de la rivalité entre orchestres. Parce que Z international et Botamine extra musique internationale et puis extra musique internationale, bah Kabona et Bongona extra musique à Zangoul. Je crois que les trois orchestres ont une rivalité et Zala qui quand même ne va pas en un. Alors, qu'est-ce que yo au vivant dans la rivalité Wana? La guerre esprit donc mystique. Mais aux hommes on a Nani vient dans Aïe Régis Touba. Oui. Mais sera bimi boué. Mais Kema. Sera bimi boué Kema mais durer le bas côté il faut contre Karoga Ronga. Et ahí fait la bongo. Voilà. Parce qu'on veut qu'il y ait un blanc de terre, il y a un accompagnateur, on met ta musique, on met ta guitare, le niveau du réel, on met ta guitare, voilà, qu'on s'en a terre. Ok.
Donc ça veut dire que les acquis concurrence sont loyales. Les acquis pensent que non, mon devoir se donner dans mon salaire. Ouais. Bah oui. Depuis dans l'époque, tout ça va dire que l'entente qui va nous niquer. Maintenant, le niveau 10 qu'on est bêta, mais il y a un peu de temps. Ouais. Donc ça veut dire que tout ça qui continue, nous m'en rassure au salamaté. Voilà. Et après. Ouais. Et comment que vous voyagez pour qu'il y ait des poteaux pour enregistrer Tchekele. La liste de poteaux dans le demande et qui était retenu pour voyager. Bon, d'abord, il faut remarquer que sur cette route, je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Papa suis en train de faire des choses. Oui. On peut se tomber en concert. Nous sommes un podium. Puis nos chers invités. Comment nous? Oui. Si tu es aussi ton côté, tu as un bus, ma coaster, toi qui nous mets en concert. Pinochet, chéri, Azati. Tout le monde a vu Pinochet et Azati. Nous avons des problèmes de se tomber en concert, vieux Pinochet à l'équipe à télé. Hey. Oui, puisque tout ça, au podium, tout ça, bêta, je pinoche à l'équina. La télé. Pour l'obani, pour appeler sa message, Nini. À qui qu'on peut sa message à voyage, Nabiso. Tout le monde a rêvé ma femme, Nazan, podium, boué. Naman, à l'époque, moi, petit chéri, Nazan, mon boué. À voyage, Nazan, à jour. Les gens qui me résistent tout bas sur ces canards, ils m'ont dit, mais tant petit mon mion là, tant mon mion là. Quel moment vient de là? Vous avez un petit peu de temps? Vous avez un peu de temps? Vous avez un peu de temps? Vous avez un peu de temps? Donc, vous avez la télé. Vous avez un peu de temps? Non, dans mon staff. Ok. Dans mon staff, donc, ma résiste tout bas naturel. Si vous avez un peu de temps, Cyril Malonga, bah, il y a des voyager, mais ma femme, ma tali, journal, bah, il y a des bisous qui ne peuvent pas te bailler, va tourner dans le conseil. Après, la monnaie, Nani, Gigi Fall. Gigi Fall a eu fait un conseil en gros. A bien dit, on a mon panzi. A bien, on a les seins. Ça va, hein? Oui, que poto, on a bien. Ah, tu sais, quand même, le goût. Alors, bah, non, c'est bien Mikili. Combien de personnes étaient retenues pour nous voyager? Ah, mais tu vas déjà me souvenir. Bah, c'est le bateau, bah, c'est Kalaki. Ouais. Bah, il y a 3 ou 4 jours après, ou une semaine après, je pense. Varez na. Na Moutoumogoana. Varez a yi na souka. Ouais. Varez a yi na souka na Moutoumogoana. Alors. Bon voyager, bon Kémikili. Bon comme Kémikili, alors, enregistrement et les cas qui n'ont pas. Non, mais tant que Kémikili, on vient sa studio et ça qui vient. Oui. On vient sa studio qui est très très bien. En tout cas, on a dit personnellement surpris parce que niveau de travail comme ça qui est tellement élevé à Brazzaville. Oui. Ou comme on a Potomba Liboso. Mais pas que ça s'adapte facilement. Ok. Tu commis, toi qui as ma condition, bien, toi qui bien logé. Et puis, tu as permis, tu salis. Tu commandes à. Tu vois, Jacques, le 12 décembre. Tu commis, Miki, le 13 décembre 2000. Oui. Donc, tu as eu
ya kopema. Ouais. Tu le temps kopema, je pense que tout ça au moins une semaine ou après tu vas dire la répétition. OK. Vas-y, ma répétition dans le studio. Dans le studio d'enregistrement mon corona, il y a il y a répétition au Balouaki. Ouais. Qu'on a vu ça. Mhm. Dans Strasbourg Saint-Denis, la bosse on a remonté. Ouais. Donc il y a des répétitions, d'où répéter. Après bon, période à fête, de l'exib à fête, n'est-ce que tu vas dans le studio. Ok. Tu vas dans le studio en janvier 2001. Ok. Alors, na ebo kenya na studio wana, ezaki pe na orchestre moko ya Brazzaville, ezaki déjà na kati ya Paris wana. Oui, je pense que ezaki de tant de Vatican ya pe ezaki na poto. Vatican ya pe ezaki na poto. Hmm. Vatican ya ezaki na poto, extra musique azangul pe. Ba mo pe ba yanga di poto, je pense. Ok. Ba mo ba yanga di ba ba mo sa album na ngo, trop c'est trop, je pense. Ok, ouais. Alors, Namikili, trois orchestres. Est-ce que vous avez peut-être un concert dans Namikili? Oui, tu peux dire par exemple le Bataclan, Adolphe Dominguez. Oui. Tu peux dire Bataclan. Bon, sans compter moi, playback ici et là, il y a aussi un promotion album. Mm-hmm. Et ce qui est vrai, tu peux dire la grande salle mythique Bataclan. Ok. Et après concert, wana, après enregistrement, ma camion c'est Silly. Il fallait bozonga na Brazzaville. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Yo zagi mutakati ya Christian Abbas. Bosolo li bobeti ba sola ki nitswe ki pour que batuba ye baté que Christian Abbas azotika la. Maso oyebi nde na auto émission ba de l'émission, mutu mutazana pangi na ye. Ouais. Vous comprenez? Oui. Et mutu mutazana vision na vie. Hmm. Nana yema été Christian Zotika. Ok. Comme madame Pangina Nai. Moni, en Pangina Nai, et voilà ma secret d'état, va dévoiler en côté. Voilà. Moni, n'a pas dévoiler secret, mon ami, parce que les agis finaillés, il fallait avoir une décision à finaillé. Ouais, ouais. Moni. Ouais. Et puis bon, et le robe, le lobo, et Belango. Les fous, tu fais ça, j'ai tant bataillé, mais ma vie, ma fait ça, mais soit là. Bisous, on a voulu un mouvement. Ouais. Bisous, on a voulu un mouvement. Mais ça, la main, les sous, mon regard, ma fait ça, qui en a qu'à son gars, à son gars, basket, il me l'a révidé. Eh. Mais ce que, bon, les amis, oui, mais par rapport à Babylon, vous savez, ma prestation, Banos, vous savez, qui en a, est-ce que vous avez un bon amour qui est bien? Moi, je suis ok, même la prestation de Beta et l'autre. Nous, le Beta, on a un Bataclan. Le Beta, ma personne se l'a arrêté, par exemple. Ok. Disque, que ça lui dit. Bah, je l'ai dit, non, ma personne se l'a arrêté. C'était insignifiant. Ok. Alors, à quel moment, moi, ma crise est venue au côté d'un orchestre? Est-ce que les Alakis n'ont pas de ou bien tant que vous avez un parce que moi, quand vous avez un leadership, banini tout ça, est-ce que banaki na poto kuna ou bien est-ce que vous avez un Brazzaville? Non, ce qui est sûr, ils ont un mot pour voler en moté, pour se voileter, tout se voileter plutôt. Oui. Et je n'ai pas un registre tout bas. Vous comprenez? Oui. Et tant que vous avez un verre dans la bande, même un verre qui est un petit peu dans la taction. Oui. Ils ont dit trop bien fait. Vous comprenez? Oui. J'ai dit ton esprit, pensant que vous avez ma mystère, ton esprit, vous avez ma petite naïe. Ok. On est. Mon temps, pensant que vous supportez Bilo Koanate. Il y a dit Jurel. Oui. On est. Oui. Jurel, déjà, vous avez fait la dame ou qui était dans la régie. Je suis à mon avis, mais nous on a nié surtout déjà. À mon avis, en gros, alors qu'il a mon cher. Mais bah, j'ai eu une demande à Masulo. Na zana bon moto comme on a mon beau capuna pour Masulo. Est-ce que la personne? Est-ce que ouais. Moni. Oui. Mouvement. Nathan, on a vu ça en 2000-2001. Concurrence. Nathan et Bissayo tout à l'heure qui est Zaki L'Oréal. Il suffisait au salon à Obi,
il suffisait parce que na matière ya nani na chorégraphie à l'époque on a ba Z1 ya 2001 et ça une orchestre c'était Obina na boue ça polémique mon boue où ça finité mais ce qu'on vérifier bah oui mais ça veut dire ça une orchestre T et les gars Z1 na machine. OK. Donc ce que telemi boue vraiment keba. Et l'on j'y peut tout court.
Est-ce que ma zanatine Bob, pour que l'on a Toronto.